You have a stallion called Courtcave. No, that's a cousin of Martellin, a brother of Bitolo, but he has a very particular story. Can you explain? Yeah, Courtcave, we purchased Courtcave direct from the breeders, Judmont Farms, as a three-year-old. He was unraced. He had been in training as a two-year-old, but an injury affected him from racing, ended his potential racing career. So we purchased him. We loved his page out of an Irish Oaks winner. Alors d'abord, le cheval n'a pas couru. Ils ont acheté le cheval directement depuis Judmont, tout simplement parce qu'il a été accidenté à l'âge de 2 ans. Il avait un chip dans un boulet qui a été retiré, mais les vétérinaires ne garantissaient pas la poursuite de sa carrière de course. Et donc du coup, ils l'ont acheté directement à l'âge de 3 ans avec son pedigree tout à fait extraordinaire. Voilà, Bitolo, Martellin, la mère Vamis Bite, fantastique. So, what happened after? Initially, he covered about 60 to 65 mares his first 4 or 5 seasons at stud, which wasn't a large number, but it was enough to get him established. From his first crop, then he produced Champion Court, who's a multiple graded winner at Cheltenham over hurdles and over fences. Alors d'entrée de jeu, première génération, donc il a saisi 60 juments, ce qui ici n'est pas beaucoup, mais suffisant quand même pour être représentatif. Et il a produit d'entrée de jeu Champion's Court, un super cheval d'obstacle ici outre-Manche. Yeah, and then he's followed that on with other high-class representatives like Court Minstrel, another graded winner, Clondalk Court, who's trained by, he's unbeaten, he's trained by Willie Mullins. And it's really then when his first representatives hit the race course that he really became popular with breeders. So he's covered 150 mares the last 4 seasons, so he's going to have a lot of runners for him over the next couple of years, you know, which he didn't have starting out. So he's a son of Sadler's Wells, and he through Siren Bay, he gets all Bay and Browns, and he gets nice athletic stock. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le cas de Champions Court n'est pas resté isolé. D'autres très bons sauteurs, notamment chez Willie Mullins, des chevaux encore invaincus, sont sortis. Donc du coup, eh bien, les juments ont commencé à affluer. 140, 150 juments dans les dernières saisons. Donc là, il va y avoir de plus en plus de produits de Courtcave à venir, à sortir. Donc évidemment, John est très enthousiaste à l'idée de voir ces grandes et larges générations de Courtcave à sortir maintenant, surtout des chevaux qui sont très athlétiques, comme lui l'est d'ailleurs en digne fils de Saddles Wells. We'll be right back.